Match difficile contre un adversaire difficile, on le savait, même si les deux équipes étaient qualifiées. Voilà, on s'attendait à ce type de match. On aurait préféré bien sûr marquer plus de buts, mais c'est le troisième match en une semaine, il y a de la fatigue et bien sûr satisfait du résultat, et maintenant on va bien se reposer pour préparer ce quart de finale. On va bien récupérer déjà. On va bien récupérer, et puis on a prévu effectivement quelque chose pour l'Aïd, pour les familles, pour qu'elles viennent voir les joueuses, et puis pour qu'on en profite aussi, parce que, comme je disais précédemment, on a fait 3 matchs en une semaine, il y a beaucoup de fatigue, donc là, les prochaines 48 heures, c'est décrassage et c'est repos. Il y a un peu des deux. On voit sur le match d'aujourd'hui où on a une équipe qui défend très bas dans son camp, donc on a eu du mal à se créer des véritables occasions. Après, on a des situations en première mi-temps et on n'est pas tueur, on ne les met pas au fond, et c'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui. Mais voilà, à côté de ça, on fait énormément d'efforts, on défend plutôt très bien, et ça, c'est quelque chose de très important. Après, on espère bien sûr, dans les prochains matchs, marquer dans le jeu, mais voilà, ça fait partie malheureusement du jeu, et on va essayer de travailler pour retrouver de l'efficacité devant le but dans le jeu et marquer dans le jeu. Nous, on reste dans ce qu'on sait faire. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé. Après, ça dépend aussi de l'adversaire. Des adversaires qui jouent un peu plus, qui laissent un peu plus d'espace. Et on est toujours, c'est toujours mieux maintenant. Il faut qu'on s'adapte. Quand une équipe propose une défense regroupé dans son camp, faut qu'on réussisse à trouver des solutions, et bon, pour l'instant, en tout cas sur ce match-là, ça n'a pas été le cas au niveau du jeu, mais ce qui est important, c'est de garder notre identité, c'est de continuer à bien bosser défensivement pour bien récupérer les ballons, et après ça va venir à un moment donné. Écoutez, je pense qu'il faut être ambitieux. On avait l'ambition de finir premier de notre poule, on l'a fait. On prépare un quart de finale pour aller en demi à la Coupe du Monde. On verra bien, on va bien le préparer. Si on y arrive par bonheur à se qualifier pour cette demi-finale, je pense que tout est possible. Tout est possible, mais l'humilité n'empêche pas l'ambition. On travaille avec beaucoup d'humilité, on sait que ce sera difficile, on sait que chaque match est difficile, c'est ce qui s'est passé dans notre poule. Et on sait que notre quart de finale sera aussi difficile. Et on espère de tout cœur, en tout cas, pour la fédération, pour le public marocain, pour les familles, atteindre ce premier objectif qui est cette demi-finale.